Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du coup d'œil dans le rétro. Et après un super moment passé avec l'intro qui nous a remonté pas mal de souvenirs, je suis heureux de vous retrouver pour tester aujourd'hui, retester, redécouvrir ce jeu sorti il y a à peu près 12 ans qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, GT Legends sur PC. C'était édité et développé par Tentacle Studio et Sinbin, hein, à qui on doit la série et des GTR et des Race, Race 07, etc. et Race Room plus tard. C'est un jeu pour les 3 ans et plus, donc sorti sur PC uniquement, et on peut y jouer de 2 à 16 joueurs. Alors évidemment, les serveurs de ce jeu sont un petit peu dans le mal depuis quelques années, mais il est toujours disponible sur Steam. Vous pouvez toujours jouer à GT Legends en le téléchargeant dans la description de manière tout à fait légale. Alors il y avait à une époque, je ne sais pas si ça existe toujours, un bundle qui avait été créé où vous pouviez retrouver l'ensemble des jeux de Sinbin avec GTR, GTR2, Race 07, toutes ces extensions, GT Legends, etc. Race On, Race Room à l'époque, add-on. Bref, c'était assez complet, je crois, pour 30 balles et ça avait baissé jusqu'à 10 euros il n'y a pas si longtemps que cela. Donc c'est toujours très bon à savoir. En tout cas, aujourd'hui, avec cette musique de fond qui, j'espère, ne me vaudra pas un strike sur YouTube, je suis heureux de reprendre la série et des coups d'œil dans le rétro qui s'était arrêté il y a de nombreux mois. Et bien après ce GT Legends, on va essayer ensemble de parcourir des jeux peut-être un peu plus récents que j'ai moi-même joué dans mon adolescence ou dans mon enfance, mais aussi des vieux coucous qu'on va essayer de refaire tourner sur notre machine pour voir un peu ce que ça donnait à l'époque. Alors aujourd'hui, pour ce GT Legends, on est donc sur PC. J'ai évidemment installé une save 100%. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque vous, à l'époque, démarriez le jeu, mon dieu, quel temps compliqué, eh bien, vous n'aviez rien, vous aviez deux voitures et deux circuits. Et je me rappelle que lorsque je l'avais acheté plein pot, c'est-à-dire à l'époque 55 balles sur PC, ce qui était quand même une sacrée douille quand j'avais à l'époque 13-14 ans, eh bien ça, ça m'avait valu de le revendre instantanément puisque le jeu était tout simplement impossible à faire tourner sur mon PC de l'époque. Donc avec un PC en plus moyenne gamme, c'était difficile de le faire tourner. Alors aujourd'hui, on est évidemment avec une config de port évidemment, donc on va pouvoir faire tourner le jeu à fond. J'espère que les temps de chargement sont plus courts. Alors j'ai pas trop cherché à piloter dans le jeu. Je vais essayer de le redécouvrir avec vous. J'ai simplement vérifié que les paramètres du volant, etc., étaient bien en place. Mais je pense qu'au niveau du force feedback, je sais pas vous entendez, mais c'est pas folichon. Donc on va faire juste quelques courses dans les différentes divisions histoire de se remémorer le jeu. Même si évidemment dans le mode simple, vous aviez d'abord des cups, des challenges à compléter pour débloquer les voitures et les circuits. On va faire une quick race. Chez nous, alors vous voyez un petit peu ce qui se passe au niveau des circuits disponibles. Donc Understorp Dijon, hein, évidemment, le circuit de Dijon, Dunnington, Hockenheim, ancienne et nouvelle génération, Imola, Manicourt, etc. Donc on a quand même des circuits assez classiques, malheureusement pas en version historique. Tout cela, évidemment, c'est modable, mais le but ici, c'est de retrouver le jeu comme on l'avait vanilla à l'époque. Au niveau des IA, vous pouviez monter jusqu'à 35 IA. Au niveau de la grille de départ, je suis bloqué à la 6ème place, je ne sais pas pourquoi. Ah, si j'enlève les qualifs, je peux peut-être... Voilà. On va enlever les qualifs. On va faire une course de 3 tours et on va commencer par la première catégorie. Alors, soit vous aviez la possibilité de sélectionner toutes les catégories pour avoir un maximum de variété dans les voitures. Si pas, vous sélectionnez la catégorie qui ensuite va déterminer la voiture que vous choisissez. Et ensuite, regardez cette liste. Vous en avez vu des belles, on va pas tous regarder tout de suite. On va se laisser ça pour plus tard. Donc, on va sélectionner le circuit. On commence donc avec la première catégorie, la plus petite, la TC65, avec des bolides comme la Fiat Abarth, l'Alpha GTA, la Cooper, donc la Mini Cooper, évidemment, mythe du sport automobile, qui a été championne d'Angleterre de BTCC notamment, qui a gagné le Monte Carlo, la Ford Falcon dans sa version la plus petite, la Ford Mustang, la Jaguar Mark II, héroïne du film Le Cornu avec Bourville et De Funès pour le coup, ceux qui ne savaient pas. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir eh bien, les décorations de votre bolide qui sont toutes officielles. Alors, ce qui est un petit peu dommage dans tout cela, c'est qu'on n'a pas de vue 3D de la voiture. Pour cela, il faut aller dans le showroom, voilà. Et regardez, même avec la souris, je ne peux pas la déplacer comme je veux. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'espère d'ailleurs qu'à la capture, vous voyez ma souris. Donc ceci étant fait, voiture qui coûtait donc 25 000. On va débuter. Alors, on a évidemment le choix de la difficulté en novice, amateur, semi-pro ou pro. On va laisser en semi-pro. Donc on a des dommages élevés, une assistance moyenne et une IA rapide. Voilà, donc 3 tours de Dunnington avec cette voiture.
Ça devrait, je pense, rapidement nous occuper. Ah, le temps de chargement, si vous saviez ce que je vivais à l'époque sur mon PC. Je pouvais aller au petit coin en attendant le chargement d'une course. Voilà, donc on y est. L'occasion pour moi de vous montrer un petit peu ce menu très old school, mais pas forcément vulgaire ou gras. Franchement, c'est très fin, c'est très sympathique. Ça ne vous saute pas à la figure non plus tant que ça. Au niveau des options, on a donc les options de vue, de réalisme, etc. Vous avez le réalisme, donc on vous dit est-ce que vous voulez afficher voilà, le countdown du départ, etc. La boîte de vitesse automatique, les casses mécaniques, la variation du temps de la journée, puisqu'évidemment le jeu permet de rouler de jour et je crois de nuit. On va le tester d'ailleurs après si c'est possible, je pense. Tous les circuits ne sont pas de nuit, mais je crois que certains le sont. Voilà un petit peu pour les paramètres graphiques et de contrôle. Ça reste du très très basique. Voilà, donc on a également le garage. Alors évidemment, on a un peu moins de pages de setup que ce que nous proposait évidemment à l'époque GTR et GTR 2 ou encore Race 07, même si c'est venu un peu plus tard. Ici, on a quelque chose de très très basique, mais quand même, c'est complet. C'est pas non plus la folie. Ça permet en tout cas de faire quelques petits réglages. On a même le choix des pneus, rendez-vous compte, Dunlop Vintage. Donc tout ça est sous licence, évidemment. Eh bien écoutez, on ne va pas perdre plus de temps et on va débuter la première course avec notre Lotus Cortina, volant à droite évidemment. Allez, on cire, vous l'avez certainement entendu dans l'arrière de ma voix, nous pilotons aujourd'hui avec la boîte en hache, histoire de se mettre vraiment dans le bain de l'époque. Bon, la seule différence, c'est qu'ici, je n'ai pas ma boîte à gauche comme sur la Cortina, mais bien à ma droite. La Lotus Cortina, mythique voiture hein, qui a été pilotée par des grands pilotes. On notera en Belgique quand même Jackie X, hein, qui a été l'un des premiers pionniers de cette voiture, qui n'est pas simple à piloter. Alors, le droit de se prendre en 3, mais je vais quand même redescendre en deuxième, histoire d'avoir un petit peu de relance. Alors vous vous dites là, évidemment, l'affichage des virages est très classe et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tellement le style 70s, je trouve ça très bien fait, alors que d'habitude c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien fini ou bâclé. Là on a quelque chose de très sympa dans les choix des couleurs, alors qu'on a une Mustang derrière qui nous a raboté le pare-choc. Elle va d'ailleurs nous attaquer parce qu'elle est beaucoup plus véloce que nous cette voiture. Ah non, c'était une autre Cortina, autant pour moi la Mustang est toujours derrière. Allez, on va essayer de s'en sortir en dépassant. Hop, 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 reviens. Ah bah voilà, ça c'est le problème de ces voitures. C'est qu'elles ont beau être à l'ancienne, elles sont très compliquées à tenir. Et c'est ça qui va faire toute l'âme de ce jeu. Et je vais y venir tout de suite. GT Legend n'est pas un mode. GT Legend n'est pas une crise de développeurs. GT Legend est un jeu de simulation de course historique. Et c'est aujourd'hui avec, je pense, pour moi, Grand Prix Légende, les deux titres les plus réussis de leur catégorie, si ce n'est les seuls. Hein. Donc ça va être compliqué de faire mieux. Mais sincèrement, on va repasser en première pour l'épingle. Sincèrement, je retrouve dans ce jeu toute l'essence des courses historiques que l'on voit encore aujourd'hui. Alors évidemment, pour ceux qui étaient un peu plus à l'écoute de ce qui s'est passé récemment sur la chaîne, j'ai sorti un vlog baptisé Spa Classique et c'est exactement ce que je retrouvais à l'époque dans ce jeu, c'est-à-dire eh bien, des courses historiques de voitures qui se battaient avec des gabarits, des puissances, des motorisations différentes, même si bon, on finissait souvent avec un carbu, hein, on va pas se mentir, ou un double pour les plus véloces, mais c'était toute une époque, et cette époque renaît un petit peu sur les circuits avec le Grand Prix de Pau historique, le Grand Prix de Dijon historique, le Spa classique, etc. Des événements où des propriétaires de ces voitures se retrouvent, et c'est vraiment ce que propose très joli l'attaque au chausse-pied de la Cortina. Ah, évidemment, ici, on n'a pas de facture à payer si ça se passe mal, donc on a plus tendance à y aller au niveau de la poussette. Mais voilà, on a un jeu qui propose donc cette ambiance tellement spécifique. Alors c'est pas encore une ambiance du festival de Goodwood en Angleterre. Pour moi c'est encore un petit peu différent, même si ça s'en rapproche quand même pas mal. Mais voilà, vous pouvez d'ailleurs retrouver le nouveau circuit de Goodwood en mode hein, dans le nombreux choix de circuits modés. Mais on y reviendra plus tard, peut-être d'ailleurs par le biais d'un futur onboard ou d'une... je pense pas d'une série, mais en tout cas d'un onboard, ça c'est certain. Attention, on est à la limite de la suspension. Failli me faire voir comme tout à l'heure.
Et on va repasser l'autre Cortina, je l'espère, à la chicane. Au niveau de la répartition des freins, on prend ce qu'on vous donne, hein. Vous n'avez pas le choix. Hop, 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 et bien voilà. Alors, warning, cut track, évidemment. On est allé un petit peu trop loin au niveau de la chicane, mais ça n'est pas grave en tout cas. Il est clair que ce jeu est un ovni dans sa sortie de l'époque, hein. On n'attendait pas du tout un jeu comme ça. Et quand Simbin est venu avec cette idée, ça a ravi bon nombre de pilotes de sim racing qui n'avaient pas à l'époque peut-être la facilité d'aujourd'hui à rouler avec ce genre de voiture ancienne, modée, hein. C'était pas non plus super pratique et super courant, hein, de modder à ce point-là. Ça s'est démocratisé pour moi à partir de ces années-là, 2005-2007, avec la sortie par exemple d'un R Factor ou encore de GTR2. Chaque fois que vous allez conclure un tour dans ce jeu, vous avez sur la gauche le petit panneautage, coup d'œil également à Grand Prix Légende, qui vous indique bien votre écart et votre position. Vous pouvez le retirer, bien entendu. Alors certains d'entre vous vont peut-être remarquer qu'il n'y a pas de HUD. Il y en a un, le voici, il est très simple, il n'est d'ailleurs pas très bon au niveau de sa résolution, mais il y a... Ouais, ça glisse. Il y a ce HUD en bas à gauche qui reprend simplement le rapport de bot que vous trouvez sur le petit HUD digital, le lap timer qui est sur le tableau de bord de bon nombre, si ce n'est toutes les voitures. Alors que là, on a ralenti beaucoup devant, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va en tout cas recoller, c'est pas plus mal, au gros bolide que sont les Mustang qui se battent avec les Cortina. Alors évidemment, il y a des divisions où certaines voitures sont un peu plus avantagées. Je me rappelle que dans les courses que je faisais à l'époque, la Lotus Elan était cheatée comme c'est pas possible. Elle était petite, rapide et véloce. Et elle se retrouvait souvent sur le devant de la scène. Hop, ça glisse. Ah, c'est très plaisant, c'est très très plaisant. Je vais retirer ce HUD qui n'est pas très immersif. Sachez également que le jeu aujourd'hui, en 2017, fonctionne jusqu'en 4K d'origine. Bien sûr, le jeu pouvait tourner en 4K. Ça n'existait même pas à l'époque, les écrans 4K. Mais au cas où vous vouliez jouer sur un rétroprojecteur, vous aviez la possibilité. Et tout ça en 60 FPS constant avec les machines d'aujourd'hui. C'est l'avantage de ce genre de jeu qui, en parlant de cela, on va évoquer aussi le côté graphisme, comme dirait Mister MV. Le côté graphisme est assez convaincant aujourd'hui. Il est aussi beau qu'il est peut-être même plus beau qu'un certain Automobilista, par exemple, qui, dans les mains de Reza Studio, a bien évolué comparé au moteur graphique d'Air Factor 1. Mais ce GT Legend reste, à l'image d'un GTR 2 également, parmi les jeux ayant le mieux vieilli. Ça n'a pas toujours été le cas des jeux de l'époque. On se rappelle de certains Colin McRae qui n'étaient pas les plus beaux. Mais en tout cas, ici, c'est pas mal. Allez, keep trying, you need to crack to the top 3. On a besoin de se reconcentrer pour finir dans le top 3. Et toujours la petite ambiance musicale qui va bien. Donc voilà, c'était la première course que je voulais faire avec vous. Et on découvre donc le classement, comme dans le bon vieux GTR. On a fait 14e sur 31, ça va, c'est pas mal. Alors, on a toujours le hot lap qui est sauvegardé. On va passer à la deuxième catégorie. On va changer de circuit également. On va passer sur des voitures un petit peu plus véloces. On va aller du côté d'Imola. Qu'a-t-on à notre disposition dans ce deuxième lot de voitures un peu plus puissants et d'une autre époque? Alors ici, on a quelque chose de beaucoup plus sympathique, beaucoup plus américanisé ici. La Jaguar type, la fameuse Lotus Elan, hein, qui est l'une des voitures les plus cheatées. La Mercedes, l'Alpine A310, la Shelby Daytona et la TVR Griffith 400. Donc on a de quoi se faire plaisir avec pas mal de modèles. Écoutez, je ne sais pas vers laquelle je vais me tourner. On a testé une anglaise, j'aimerais bien tester une italienne. J'ai déjà une idée de ce que je vais vous tester dans la troisième partie. Pour celle-ci, je pense qu'on va se contenter de la 275 GTBC. J'espère que cette voiture sera pilotable, mais quoi de mieux à Imola finalement. La Porsche 906 que vous voyez à droite est aussi l'un des très beaux modèles, très agréable à piloter sur ce jeu. En tout cas, j'en ai un très bon souvenir de cette voiture. On va faire quelques petits ajustements de carburant, puisque vous le savez, on arrive toujours à vite. C'est un peu dommage qu'ici, on n'ait pas trop d'ambiance. Hein, c'est assez vide, hein, vous l'entendez derrière moi. Malheureusement, on va changer un petit peu le break BIA, voilà, et on va raccourcir la boîte de vitesse. Alors, on est avec notre Ferrari, la seule, je crois, du plateau. Et regardez les petites Lotus Elan devant qui ne vont pas se priver pour fuir.
Allez, ça cire. C'est normal, on a beaucoup plus de puissance que ce qu'on avait lors du test de la Lotus Cortina. Attention, parce que ça risque d'être aussi un peu plus compliqué à tenir. En deuxième, dans le premier S de Tamburello, ça tangue pas mal. Allez, face à la Mustang. Ah, c'est très très fun en tout cas à piloter. Attention, parce qu'on a une Corvette sur la gauche qui a failli venir nous harponner. On peut évoquer l'IA, l'IA qui est très bonne, hein, elle est dans la veine de ce que faisait également GTR2, hein. C'est quasiment le même moteur physique et graphique, hein. Donc l'IA est tout aussi bonne, elle était très bien gérée dans GTR2 à l'époque. Allez, on est en première du côté de la Tosa. On voit pas bien où on en est au niveau du compteur avec le volant, mais c'est pas grave, on va s'en contenter. Sur le grand gauche de Piratella, si je ne dis pas de bêtises. Je confonds toujours les noms avec certains autres circuits. Malheureusement, là, on se fait un peu déposer. Et c'est beaucoup plus compliqué de placer cette Ferrari que la Cortina, évidemment, avec son long moteur à l'avant. Ça n'est pas grave, on parvient quand même à dompter la bête. Faut dire, ça fait 10 bonnes années que j'ai plus non plus touché au jeu. Alors, on va évoquer ensemble maintenant, si vous le voulez bien, d'autres paramètres. Ah, c'est surprenant, hein, toujours ces bolides. Allez, reprenons. Je disais donc, on va évoquer un autre point. Le son, et ce dernier est plutôt correct. Je vais vous laisser d'ailleurs profiter un petit peu du son de la Ferrari. Alors, ça n'est pas un son extraordinaire, mais il faut le remettre dans le contexte. Et dans le contexte, ça fonctionnait déjà très très bien. Avec un son sur PC qui faisait très très bien son travail. Voilà donc pour vous faire un peu une idée de ce que vaut du niveau sonore ce GT Legends. On revient sur une petite Jaguar type E, très jolie voiture. Et c'est là qu'on est un peu sauvé par quand même notre moteur. Et ça tire sur pas mal de limites. Alors, je vous présente depuis tout à l'heure les voitures sous différentes catégories. Malheureusement, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous mélangez les catégories ensemble, le jeu n'est pas trop fan. Et je vous invite très franchement, pour garder un intérêt à vos compétitions, à garder les divisions séparées les unes des autres, plutôt que de vouloir absolument mettre une Abarth aux côtés d'une GT40. Ça fait pas bon ménage, croyez-moi. Mais si pour vous, les catégories ne sont pas assez étoffées, sur le net, vous trouverez des voitures modées à ne plus quoi savoir diviser vos compétitions. Et d'ailleurs, très très bien équilibrées au passage. Alors, la Mustang qui a un petit peu souffert, on le voit, au niveau du feu arrière gauche. Elle est un peu abîmée. Essayer d'aller la chercher à la chicane. Ça passe.
Je sais pas si on est déjà dans le dernier tour, je pense, oui. La course doit être terminée à la fin de ce tour-ci. Y en a-t-il encore un? C'est possible. Ouais, il y a encore un troisième et dernier tour. Je pensais qu'on en avait déjà fait trois. Alors certains vont peut-être constater effectivement qu'il manquerait une minimap, un spotter, des informations. Tout cela évidemment n'existait pas à l'époque, donc ça n'est pas vraiment un manque, c'est peut-être un besoin de joueurs, mais pas un manque clair et net de ce qu'était la course automobile de l'époque. Donc sincèrement, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à ce jeu d'avoir des déficiences au niveau du HUD? Sincèrement, je ne pense pas, même si celui-ci est activable bien entendu, je vous l'ai montré. Il est simple et également disponible de manière complète. Ah, et bien voilà, on est piégé comme un grand. C'est là que je vous explique bien que les voitures ne sont pas simples à prendre en main. Et que le problème principal de ces erreurs est dû à une simple chose. C'est qu'actuellement le PC Racer avec lequel je tourne cette vidéo, eh bien, il est sans force feedback, donc je n'ai aucun ressenti du décrochage de la voiture. Et ça, c'est un petit peu... Ah ouais, un problème. Et je vais encore partir en tête à queue. Ouais, on peut rien faire, là. On ne peut rien faire. Je suis tout simplement pris à partie par le force feedback. Je sais que le jeu fonctionnait pendant tout un temps au G27. Peut-être que le périphérique que j'utilise n'est pas forcément bien reconnu. Il est pourtant mentionné comme un volant dans les détails du jeu. Mais malheureusement... Sur la petite Cortina, ça n'était pas un problème ici pour déterminer à quel moment cette voiture va décrocher. Malheureusement, ça devient un petit souci et je crains qu'on ait le même problème juste après en testant la troisième et dernière division. Ma répartition de freins n'est peut-être pas non plus idéale, peut-être trop axée sur l'avant. En tout cas, elle n'est pas très stable au freinage, cette Ferrari 275, mais... Elle fait un joli bruit, j'ai pu vous en faire profiter. On va terminer cette course ici à Imola qui, dont le résultat n'est pas vraiment important. Ce n'est pas non plus le but de tout cela. C'est plus vous faire plaisir en vous remontrant un petit peu à quoi j'ai joué à l'époque. Et d'ailleurs, le but aussi de ces vidéos, au-delà du partage de l'expérience, de mon expérience, eh bien, c'est de vous aussi me raconter votre vécu sur un jeu. Et en parlant de ce GT Legends, avez-vous eu à l'époque le coup de foudre ou le coup de rage face à ce titre? Eh bien, je vous explique tout ça en répondant à vos commentaires. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous avez eu l'occasion de limer ce jeu dans les années passées. Voilà. Allez, on est un petit peu loin du top 3 avec notre Ferrari qui aura souffert. On a fait pas mal de... Deux petites erreurs, mais une voiture très très plaisante à piloter. Je souffre évidemment de mon force feedback, comme je le disais. Allez, on va passer à une toute troisième et toute dernière course, je pense. On en fera peut-être encore une après en multiclasse pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Honnêtement, on n'a pas la Nordschleife et ça, c'est vraiment grave sur un jeu de cette époque-là. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. On a Mandello Park, on a Manicourt, on a Imola, on a Hockenheim, on a Dollington. Écoutez, je ne vais pas me faire prier d'aller à Zolder, puisque c'est pour moi l'un des meilleurs circuits historiques de l'époque. Et c'est là, voilà, que l'on arrive dans la grosse catégorie qui fait mal, et qui fait mal aux oreilles, et qui fait mal au budget, puisque des voitures qui coûtent plus de 100 000 crédits, ce qui était à l'époque énorme, dans le jeu, il fallait beaucoup limer pour pouvoir espérer rouler avec l'une de ces machines. Alors on a du choix, évidemment. On va quand même se tourner vers une voiture qui, pour moi, était... l'une des plus intéressantes à l'époque, la De Tomaso Pantera, qui est pour moi l'une des plus agréables. Mais ce que l'on va faire également, c'est qu'on va se placer avec les voitures de la deuxième division la plus importante, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti pour la troisième et dernière course de ce coup d'œil dans le rétro. Un bon départ avec la De Tomaso. Oh, qui patine énormément. Voiture 5, rapport de boîte. C'est la première fois de la vidéo. Comme le fait qu'elle ait un moteur arrière, ça donne vraiment un autre comportement à la voiture.
faut être un peu plus agressif. Et sur les virages et sur les freins, sans forcément le payer cher. On a été touché par l'une des corvettes. Et c'est un pied monumental. Alors évidemment, les voitures les plus compliquées à piloter sont évidemment les Ford Capri, les Ford GT40. Ces voitures-là sont très compliquées à piloter. Et comme ça, de prime abord, je ne saurais même pas vous dire laquelle est la plus compliquée. Allez, on essaie de se faufiler dans la chicane. Ça passe pas. Ça résiste à côté de nous. La Cobra est battue. On se dirige vers la fin du premier tour. Ici à Zolder. On n'a pas pris un cut track parce qu'on n'a pas gagné de temps, mais on s'est fait avoir à la réaccélération. Une voiture qui patine beaucoup, c'est normal. C'est le style de ces bolides. Allez, on va essayer d'aller attaquer la Porsche devant. Elle a une meilleure relance. Elle est passée en deuxième, on a bien freiné. Avec le frein moteur. Hop, 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 reviens. Ah non, malheureusement. Voilà, ça c'est souvent le problème. C'est qu'une fois qu'elle part, quelle que soit la catégorie, impossible de récupérer l'auto. Une fois qu'elle part en survirage, il faut essayer de la sauver, mais ça se joue souvent beaucoup trop tard avant que vous ayez le temps de réagir. On est poussé. On était un petit peu poussé par une voiture qui, je crois, est encore à notre droite. Ouais, c'était une des corvettes. Ah, et le freinage, une fois de plus. On est trop tard sur les freins, c'est pas grave, on repart. C'est pas trop grave, pas mal de fautes, mais bon, après tout. Ça montre bien la complexité de ces voitures qui, de prime abord, peuvent paraître effectivement très simples à appréhender, mais qui en fait sont très très spécifiques les unes des autres, et donc vous ne pouvez pas switcher comme ça de l'une à l'autre. Le freinage tardif que l'on connaît et qu'on a l'habitude de pratiquer, eh bien ici doit tout simplement s'envoler de votre esprit. Et ce fameux freinage un peu trop tard que j'applique depuis un tour, eh bien m'a emmené deux fois en tête à queue, preuve que ça n'est pas la bonne solution. Ce sont bien des voitures qui demandent de la souplesse également dans les freinages. Et il n'est pas simple de remonter à travers le peloton. Ah, j'ai encore essayé ici de repasser en seconde. Ça a plutôt bien fonctionné. On se retrouve à la limite dans la grande courbe. De droite du canal. Allez. Vous voyez, c'est là que l'on voit que ça n'est pas si simple de se frayer un chemin parmi les autres bolides. Et vous pouvez rapidement vous faire surprendre au freinage. J'espère que ça se voit bien dans le comportement de la voiture, que je suis à la limite de décrocher parfois et que c'est pas si anodin de se faire surprendre sur un éventuel freinage. La preuve encore à la seconde avec le tangage et le roulis qui sont très très difficiles à percevoir. Alors non pas que la physique soit mal faite, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais bel et bien parce que je manque d'entraînement et de connaissance de ces bolides.
en tout cas à quiconque possède un volant et un petit peu de monnaie sur Steam, faites-vous plaisir. Parce que là, l'investissement vaudra le coup. Il y a même, donc, comme je le disais, des possibilités de modding. Et bien voilà, on arrive dans le dernier freinage de ce circuit de Zolder. On sort de la chicane Jackie. Si on va tout doucement penser à conclure ce coup d'œil dans le rétro. Et voilà, c'est terminé. On n'aura pas gagné de course aujourd'hui, mais ça n'est pas le but non plus. Voilà, et eh bien écoutez, c'était la reprise des coups d'œil dans le rétro avec GT Legends, un jeu qui donc était sorti en 2005 et qui m'avait beaucoup occupé pendant mon adolescence. Pour le prochain épisode, je ne vous garantis rien, mais j'espère pouvoir vous faire vivre un jeu plus ancien, un peu plus compliqué à faire tourner, un peu moins beau esthétiquement, mais qui pour moi m'a aussi occupé pendant de nombreuses années dans ma jeunesse. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce coup d'œil dans le rétro sur GT Legends, un jeu donc édité et développé par Simbin et Tentacle Studio. J'espère que le retour des coups d'œil dans le rétro vous aura plu. N'hésitez pas dans la description à me partager votre ressenti si vous aussi vous avez joué à ce jeu. Et si d'aventure vous l'achetez et y jouez, donnez-moi aussi vos sensations en commentaire. Merci à toutes et à tous de votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, à la prochaine, salut !